la séquence était commence sur un site très joli. C'est un lac qui se situe en bordure d'Auvergne et de Creuse. C'est le plan d'eau de la Méouse. Donc c'est un lac qui fait environ 55 hectares. Il est situé à une altitude de 700 mètres environ. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte quand on cherche un site pour pêcher pendant l'été, puisque on a souvent affaire à des fortes chaleurs. Et il faut essayer de trouver les endroits où l'eau va avoir le plus de chances d'être oxygénée, un peu plus fraîche. Donc on a commencé par passer une bonne partie de la journée donc à chercher les postes qui sont susceptibles d'être visités par les carpes. Donc ces postes-là, ça va être pendant la saison estivale, hein, ça va être les herbiers, les branches, les souches, les bordures ombragées, les secteurs les mieux ventés quand il y a du vent, puisque le vent est un facteur d'oxygénation de l'eau. Donc c'est très important l'été, puisque les poissons sont pas gênés par la température de l'eau, comme en hiver, pour s'alimenter, ils sont gênés par le manque d'oxygène dans l'eau, ce qui freine leur activité. L'été, quand tu recherches le poisson sur un lac comme ça, là, c'est bien d'essayer de chercher les herbiers parce que la journée, ils dégagent de l'oxygène et ça fait une zone de confort pour les poissons parce que là, l'eau, elle est à 25 degrés, 26 degrés en surface. C'est pour dire que l'oxygène dissous dans l'eau, il n'a pas des masses, cette température-là. Ce qui peut changer un peu ce taux d'oxygène, c'est le vent. Quand il va battre l'eau, ça va mélanger de l'air, ça va oxygéner l'eau. Pêcher la bordure qui est battue par le vent. Et après, ça va être pêcher les bordures d'herbier, parce que c'est là que le poisson va être confortablement installé, parce qu'il va avoir de la nourriture, de l'oxygène, il est super bien. Par contre, la nuit, c'est pas bon, parce que les herbiers, la nuit, ils dégagent du CO2, donc ça a évité. Faut miser sur d'autres postes. Ça, le potamos, c'est un herbier qui favorise le développement de la nourriture naturelle. Quand je vais vérifier au GPS à quelle distance il est, ce banc de potamos du bord, il me paraît assez loin quand même. Alors ce que j'ai fait, j'ai juste mémorisé un point au bord où éventuellement je pourrais m'installer. Et puis là, je suis revenu sur le banc de potamos. J'enregistre sa position et puis après, je fais comme si je voulais revenir à mon poste avec la navigation et ça va me donner la distance qui me sépare du point de départ au bord. Voilà, j'avais eu le nez creux, 150 mètres. 150 mètres, 0,15 km. Donc effectivement, ça fait loin pour lancer du bord. Surtout quand on n'a pas pris les cannes adaptées. On a quand même une activité des carpes qui est bonne, puisqu'on a pu observer pas mal de sauts de carpes. On a même pu déterminer sur un premier poste, environ à une centaine de mètres du bord, ce qui serait un passage de poissons. Donc une bordure, on va dire, enfin une zone un petit peu plus profonde, un genre de petit canal, hein, légèrement plus profond que le reste du lac. Ensuite, on a sur la droite une zone qui est, on va dire, très encombrée avec des arbres dans l'eau, des souches, donc qui sont très, très fournies, qui s'étendent jusqu'à une vingtaine de mètres du bord. Donc bien visité par les carpes puisqu'on les a vus sauter dans ces bois. Puisque le lac possède une belle population d'écrevisses et elles trouvent refuge dans ces souches. Après sur l'autre poste qui est ici derrière moi, c'est un peu le même profil que le poste de droite. Ce sont des arbres dans l'eau qu'on a choisi donc pour leur richesse en nourriture naturelle et qui devraient immanquablement attirer les carpes. Leur offrir à la fois une bonne zone d'alimentation et puis aussi une zone de sécurité, une zone de tenue et une zone d'alimentation. Donc la nuit, ça va plutôt être les bordures qui vont être payantes parce que les écrevisses qui sont photophobes, qui n'aiment pas la lumière, s'abritent dans les souches, dans tout ce qu'elles peuvent. Et la nuit, elles sortent et rejoignent les bordures pour s'alimenter. Après, pour la journée, j'ai plutôt confiance au poste qui est à une centaine de mètres du bord, qui est un passage de poissons, semble-t-il, et là où on va pouvoir intercepter des bancs de carpes qui vont se déplacer d'un bout à l'autre du lac. Et ça, à tout moment de la journée, et voire même de la nuit. Donc il va falloir faire, je pense, avec des grosses chaleurs, et par contre des nuits plutôt fraîches, puisque la température descend jusqu'à 7 degrés. Et ça, c'est dû à l'altitude du lac. Et
Apparemment, là, les carpes seraient très actives la nuit par rapport à cette chute des températures. Et c'est ce qui est vraiment intéressant sur ce type de lac. Les lacs de plaine, très peu élevés en altitude, l'eau se transforme en soupe et on a peu de chances de faire des bons résultats, sauf si on a une condition météorologique favorable, c'est-à-dire un orage, une tempête, quelque chose qui change, qui oxygène l'eau du lac. Donc pour ce qui est des postes de bordure sur les obstacles, bon, ça ne sert à rien de faire un amorçage massif sur ce genre de poste, puisque le poisson va s'y tenir une grande partie de la journée, on va dire de manière léthargique, puisque c'est sa zone de tenue où il va se reposer. Et la nuit, il va venir se nourrir d'écrevisses, et choses comme ça, on n'arrivera pas à concurrencer la nourriture des écrevisses. Donc je préfère proposer des appâts peu nombreux, qualitatifs, qui soient, on va dire, très vite repérés par les carpes, par leur couleur. Par exemple, le rouge, le blanc très, très flash, qui vont tout de suite capter l'intérêt des poissons qui vont passer au-dessus. Et très riche en huile, donc très odorant. Par contre, pour ce qui est du poste plus éloigné du bord, qui est situé à environ 100 mètres, là j'ai fait une stratégie d'amorçage complètement différente. Parce que j'ai envie d'intercepter le poisson. Donc pour intercepter les poissons, c'est pas avec un petit spot ou une assiette que je vais pouvoir arrêter quelques poissons de passage. Là, j'amorce très très large, mais de manière éparse, avec du pellet, du maïs, des bouillettes. Et quand je dis éparse, c'est vraiment très éparse, puisque j'ai arrosé une zone, on va dire, qui fait 150 mètres sur 100. Donc cette large zone, si un poisson vient à passer au-dessus, il va glaner cette nourriture-là qui se trouve très étalée. Ça va lui prendre du temps, ça va, et plus il reste longtemps sur mon cou, plus il a des chances de tomber sur mes lignes qui, elles, sont placés, on va dire, avec une bonne quantité d'appâts autour, on va dire une cinquantaine de bouillettes, et qui sont en fait des spots à l'intérieur d'un amorçage très éparse. Donc ce coup qui est, on va dire, bien amorcé, est à entretenir régulièrement. C'est-à-dire que le poisson, dès qu'il y a une manifestation, un saut, un départ,
quelque chose, je vais immédiatement ramorcer, je vais entretenir ce coup pour remettre en confiance les poissons qui sont là aussi dans la zone, mais qui n'ont pas forcément vu le poisson s'enfuir puisqu'il a été piqué pas forcément à côté d'elle, puisque là c'est pas un spot, c'est un amorçage très large, donc le poisson il va s'étaler sur cet amorçage. Et c'est aussi un des avantages de ce type de méthode, puisque c'est pas forcément en piquant un poisson qu'on va faire fuir tout le banc, puisque le banc va être étalé sur toute cette zone. Vous pouvez très bien faire plusieurs départs à la suite, et c'est le but recherché par cette technique. Elle est belle ? Ouais. Tu vois le passage, c'était bien ça. Hein. On a vu un poisson sauter, quart d'heure après, la touche. Bouillotte flottante. Laisse pas faire. Je la laisse venir ou j'y vais? On l'a mis en colère, je crois. Stop it, Rocky. Rocky, stay here. Ah, je crois que ça y est. Hop là. Hop là. Elles ont des lèvres fines, barbillon assez long, des poissons qui se nourrissent sur un seul mou, ça. C'est souvent celles qui se décrochent. Remets l'épuisette dessous, Letty. Mets l'épuisette dessous. Dessous. Au cas où je l'échappe. Ah, ah d'accord. Voilà. Elle est pleine de puces. Oh là, on est pleine. C'est la pouilleuse du lac. C'est vrai qu'elle était énervée, c'est que ça devait la démanger. Allez, on va les laisser repartir. Allez. Mais c'est un monstre ou quoi? Oh, c'est génial. Mais elle tire, punaise. Un petit maïs? Ouais, c'est le maïs. Putain, on dirait la même que tout à l'heure. Regarde ton fil dedans, Hugo. Allez, bravo. Ah, ça c'est bien. Bravo, c'est bien. Comme une grande. Attends, je vais aller m'occuper de ma ligne avant que le fil dérive trop. Tu la chopes par où quand tu lui enlèves l'hameçon? Par en dessous. Par quoi? La lèvre du haut. Ah ouais, d'accord, ça y est.
J'ai chopé le truc. Mais attends, tu sais quoi, tu vas la sortir. Tu vas la décrocher là aussi. Ah mais il faut tirer fort. Oh. Ouais. Attends, j'en tremble. Ah, il y a un tout petit poisson là. Ouais, une main dessous là, la bidouille. Et l'autre main. Attends, parce que c'est lourd. Hein. Attends. Je me défonce sur les bouts de bois. Pas là. Alors la ligne la plus à droite là, celle qui est du côté des branches là, j'ai fixé le corps de ligne sur une branche à l'aide d'un nœud en fait que la carpe va défaire elle-même, donc qui me permet de tendre mon fil de ce côté là. Par contre le montage lui il est posé au pied de l'arbre fil détendu. Quand la carpe va tirer, elle va défaire une boucle hein, et le montage va complètement se libérer. Tout ça dans le but de lui faire éviter d'aller dans les branches qui sont tout au long de la bordure là. Parce qu'elle va sentir une traction qui va venir de la berge du côté des branches et en théorie elle fuirait donc vers le large quoi, s'éloignerait du bord. Et donc ainsi moi je la laisse faire, je la laisse s'éloigner et après une fois qu'elle est assez loin des obstacles je prends contact et je commence vraiment à tirer dessus. Donc ça c'est un nœud que j'utilise habituellement pour attacher mon bateau en tirant sur un fil tout se défait. Donc là je l'ai refait sur mon corps de ligne pour éviter de faire un brin cassant, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu pénible de fixer un petit bout de nylon, on ne sait jamais si ça va tenir ou pas. Après il faut modifier le montage pour fixer le brin cassant. Alors que là avec le corps de ligne, je fais mon nœud, tac, dès que la carpe part a défait le nœud, je ferme. Et c'est parti. Ou alors t'as ramassé un énorme paquet de salade avec la brin. C'est une petite carpe, trop fort. Je sais pas le bruit. Je vais t'enlever ça. Viens voir, on a un petit pince. Ouais.
C'était comique, hein. J'étais triste. On a galéré un peu. Allez. Génial. J'ai mis les trois souches. La dernière, j'ai défait le fil tout doucement. Toc, toc, toc. Il s'est décroché, j'ai à peine tiré. Je me suis dit, elle doit pas être bien loin. Je me suis approché. Tire un grand coup. Pouf, dans l'épuisette. Allez. Ah ouais, j'ai slalomé entre les souches. Elle était complètement partie de moi. Petite commune. Un petit coup de caméra, c'est pas toi? Ouais, c'est bon. Tu la vois? Ouais, ouais. Une commune, oui. On va aller s'occuper de l'autre. Alors, tu sais, quand on fait une touche à revenir, c'est que d'abord on roule tout. Et quand on sent quelque chose. Et elle a fait 15 km vers nous, quoi. Là, contact. Et là, tu fais. Mon sens était assez bien enlevé. Pas d'idée, non? Tout en même temps. Celle qui m'a le plus plu, c'est quand même la petite commune qui a décroché la ligne qui était fixée dans la branche là, avec le nœud là. Celle-là m'a donné du sport. La lame entre les souches. Allez, on va remettre à l'eau. Ouh, putain. Alors, bon, en fait, elle revient droit sur nous pour venir dans les obstacles. En fait, elle fait voir qu'on peut des touches pour voir maintenant. Là tu vois que l'été quand même, la nuit il y a une sacrée activité des poissons. Même si la journée on a eu la chance d'en capturer pas mal. Là si j'ai envie de fermer l'œil, il va falloir que je relève toutes mes lignes de l'eau. Hein, parce que sinon, ça n'arrête pas quoi. Ouais.
à l'heure, ça. Tu sais, des poissons qui font 6-7 kilos, quoi. C'est ça, hein. Hop. Pas plus te la montrer celle-là. Donc pour faire un premier bilan, on va dire après à peine 24 heures de pêche, au niveau des amorçages et de la technique utilisée, ce qui a été le plus payant, ça a été le large tapis d'amorçage. Donc réalisé avec le mélange de pellets de différentes tailles et de dissolution plus ou moins rapide. Après, le coup a été, on va dire, démarré dans un premier temps en amorçant avec du maïs. C'est bien de démarrer son amorçage avec du maïs, comme ça on fixe rapidement du blanc, du petit poisson qui après peut en attirer du plus gros. Après, j'ai beaucoup amorcé donc, à la bouillette, des rappels à la bouillette de 20 mm pour justement essayer de sélectionner la taille des poissons. Et aujourd'hui, donc de 20 mm, je vais passer à beaucoup plus gros. Je vais passer à du 32 mm pour essayer de sélectionner des beaux poissons. Parce que là, on en est à 11 poissons sortis, 15 départs. Le plus gros poisson fait 9 kg. On peut espérer quand même, par son amorçage, essayer de sélectionner des poissons un peu plus gros. Donc je vais supprimer tout ce qui est petites particules, graines. Je vais amorcer exclusivement avec de la bouillette de 20 et de 32 mm. En espérant que ça va plus intéresser les gros poissons. Après, en ce qui concerne les lignes qui étaient placées au bord sur les souches, moi, elles ont elles aussi pêché du poisson. Bon, toujours avec le petit stress de les mettre, de perdre une carpe à l'intérieur, surtout la nuit. On a eu de la chance, c'est parti ici, c'est parti sur la ligne qui était fixée à la branche là-bas. Tout s'est réalisé comme en théorie. Et on n'a mis aucun poisson dans les obstacles. Bon, pour cette nuit, je pense que je vais changer un peu ma stratégie en mettant moins de lignes sur les bordures et plutôt orienter ma pêche sur le coup qui est placé à une centaine de mètres du bord, sur un passage de carpe. Donc pour revenir un petit peu sur les appâts, hein, donc, ce sont des appâts qui sont très riches en farine de poisson, farine de calamar, qui sont donc des appâts carnés. Réellement, puisque un arôme carné ne suffit pas à rendre un appât carné. Et l'été, c'est vraiment la saison pour utiliser tout ce qui est huile, donc dans la composition et aussi en trempage pour les appâts. L'après-midi, c'est bon quand il fait très chaud comme ça, de pêcher avec une bouillette flottante. Parce que le poisson qui n'a pas forcément envie de s'alimenter peut se faire prendre par simple curiosité. Ou plutôt les choisir de couleurs vives, surtout là dans des eaux peu profondes comme ça où il y a des eaux quand même assez claires. Après on les aromatise comme on veut avec les boosters, parce que celles-ci elles sont faites de manière neutre. Quasiment toutes les lignes que j'ai posées étaient boostées avec au calamar comme ça ou au Japanese squid. Vu que c'est des flottantes sans arôme, je leur en mets. Thank you.
c'est décrocher l'épuisette. C'est par là. Bon. Pour essayer de sélectionner des poissons un peu plus gros, je vais pêcher avec des bouillettes de 32 mm. Donc c'est des grosses bouillettes, c'est donc des appâts qui sont lourds. Et vu que le fond où j'ai placé mes lignes est un peu mou, il y a une petite couche de vase. Ces bouillettes, si je les laisse comme ça au bout de ma ligne, elles vont s'enfoncer dans la vase et elles vont disparaître de la vue des poissons. Donc je vais les alléger en les perçant avec un punch à bouillettes et en introduisant un petit cylindre de mousse à l'intérieur. Il faut procéder petit à petit pour éviter que la bouillette éclate. Donc là, hop, à chaque fois j'en enlève un petit morceau. J'avance, on va dire, centimètre par centimètre. Là, il y a de la matière qui reste dedans. J'appuie sur la petite comme une seringue. Et puis hop, j'en enlève un peu. On arrive à la percer proprement sans la faire éclater. Donc là, pour finir, il faut bien appuyer là où va sortir le puncher. Parce que c'est souvent là que la bouillette éclate. Donc là, ça y est. Il a traversé, j'enlève le reste, je vais parfaire le trou. Et voilà. Donc ensuite, il suffit d'introduire un petit cylindre de mousse à l'intérieur. Voilà, on le met juste au bord. Et ensuite, on coupe l'excédent. Et voilà. Donc elle s'enfouira plus dans la vase. Le poisson pourra la trouver plus rapidement. Donc là voilà une bouillette qui n'est pas allégée. Donc là elle tombe comme un caillou. Et là voici la bouillette que j'ai trafiquée. Et hop, elle flotte. Bon, bah, avec moi, je vais peut-être aller vérifier un peu la nature des fonds. Effectivement, bon, jusqu'à mon repère, j'ai une zone qui est très vaseuse. On va dire il y a une couche de vase molle liquide d'à peu près 50-60 cm. Donc, par contre, une fois que je dépasse mon repère, là je tombe sur une couche sédimenteuse, c'est des petits morceaux de feuilles, de choses comme ça, d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Et c'est cette différence de terrain. On passe d'un fond très mou, très vaseux, à un fond plus ferme avec du sédiment. C'est là-dedans qu'on va se développer des vers de vase ou quelques insectes dans ce genre-là. Et c'est ce qui fait que les poissons passent sur cette limite de fond et se nourrissent juste sur cette zone-là. Donc ça explique pourquoi il faut que je pêche avec des appâts allégés, puisque même si j'ai peu de vase, il faut quand même alléger les appâts pour pas qu'ils rentrent dans cette couche sédimenteuse, et puis voire même pêcher en flottant, parce que pour pas que l'hameçon se pique dans des brindilles et tout. Déjà qu'on décroche beaucoup de poissons, parce que les carpes du lac de la Méouse ont la bouche très fragile, parce qu'elles se nourrissent principalement sur des fonds mous, donc elles sont pas très charnues au niveau des lèvres et on les décroche très facilement. Y'a des fils par là, Yann? Y'a des fils? Viens sur moi, tu vas passer dessous. Ok. Voilà. Ah, il se perd pas, moi, tire comme des vaches. Oui, attends, là, ça va. Ah,
Attends, attends, laisse t'épuiser, toi qui poses ça, c'est toi qui te prends. Pas y aller trop fort parce qu'elles ont la gueule en dentelle. Hein. Ce qui est certain, c'est que c'est pas un gros poisson, mais comme les poissons précédents de Philippe, ils ont pas mal de moelle. C'est pas énorme. Effectivement, c'est pas lourd. Hein. Pas bien lourde. Mais bon, c'est une carpe. Allez, à plus. Alors, c'était où ça? Eh ben ça c'est bien, ça devrait prendre une carte normalement. Les appâts sont bien graissés parce que en pleine saison comme ça, des appâts bien graissés, ça travaille bien dans de l'eau qui est relativement tempérée, relativement chaude. Ça diffuse bien la graisse. En eau froide, c'est moins intéressant. La graisse, elle se fige autour des appâts. Elle a du mal à le sortir des appâts. Tu vois les taches noires là-haut, c'est l'huile qui sort. Faire trempette un peu, je vais faire du bien. Allez, tiens. Par là, ça va être, par là, ça va être sympa. Ça va faire une jolie photo, ça. Non, comme il est beau, ce bébé allongé dans son petit matelas. Oh, c'est pas un poisson énorme, mais c'est un poisson, c'est une carpe. Par les temps qui courent, c'est mieux que rien. Allez, on la redonne à son élément. On lui dit au revoir. Et ma petite cocotte.
Regarde ça comme elle est docile. Elle était vilaine tout à l'heure. Allez, ma grande. Elle était sympa. Regarde-la. Il y a un poisson, Nico, il y a eu un départ sur tes cannes. Il est dans l'épuisette. Elle est belle ? Ouais, elle est jolie, ouais. Ah ! Elle a tiré un peu, ouais ? Ouais. Ah, j'ai galéré, ouais. Ça tient ? Faudrait que tu m'aides pour l'amener sur le tapis. Ouais, on va la poser, on va la prendre en photo. Ouais. Elle doit faire ses 10 kilos, je pense. 9, 10, 15, 9 et 10 kilos, ouais. Ouais, ouais, peut-être pas qu'on en 10. Oh, elle doit faire 8, 9. Ah, jolie celle-là. Elle est belle, hein? Elle est belle. Tiens, elle cache les yeux. Oh, elle fait 8 kilos. Allez, j'ai sorti les appareils là sur le Ouais. Batcher. Je l'ai remise à l'eau. Ouais, oui. Allez, c'est parti. Bébé. Hop là. Comme on l'a vu, on pêche un plan d'eau où il y a pas mal de vases. Et donc on va devoir réaliser un montage anti-vase de manière à ce que nos lignes puissent pêcher au maximum. Pour la réalisation de ce montage, moi j'utilise du lait de corps sur lequel je fais des épissures. Et donc ce lait de corps va me servir essentiellement d'anti-emmêleur. Donc on peut effectivement l'utiliser aussi même pour tous les montages clip-long et pour le montage main. Donc, comment on fait une épissure? C'est tout simple, je fais déjà un tour mort autour de mon doigt de manière à ce que l'âme de plomb ne s'en aille pas. Je viens faire sortir ce plomb, hop, grosso modo, vous voyez, hein, sur cette distance là, c'est pas mal du tout. Je le casse, je fais ressortir donc l'armature en tresse, et donc on s'aperçoit qu'on a une articulation entre la partie où il y a du plomb et la partie où il n'y en a plus. À partir de ce moment-là, je viens chercher une aiguille à bouillette, une aiguille toute bête, que je viens positionner à l'endroit où on a retiré le plomb. Alors cette aiguille, je vais la rentrer grosso modo sur un bon centimètre, hein, comme ça, et je la fais sortir. Voilà. Donc ici, c'est la partie où je vais faire rentrer, qui va nous servir en fait à mettre notre plomb. Donc je vais prendre une petite agrafe comme ça, hein, un rig snap, agrafe qui est très pratique, que je repositionne sur l'aiguille, c'est beaucoup plus facile à travailler. Ensuite, je viens chercher l'autre morceau de mon lait de corps. Un petit instant, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et ensuite, je viens faire rentrer le lait de corps dans lui-même. Et voilà une épissure. Donc ça, c'est tout à fait costaud. Il n'y a absolument, voyez, aucun problème. Donc ben voilà, la ligature terminée. Par contre, il y a des personnes qui le collent. Moi, je ne souhaite pas le coller parce que ça donne une petite partie de rigidification qui risque d'affaiblir l'épissure. Par contre, pour qu'une épissure soit correcte et qu'elle soit bien résistante, il faut la faire bien longue, hein, comme ça, de grosso modo 1,5 cm, 2 cm. Donc la première épissure étant terminée, on va continuer le reste du montage. Donc je vais sortir grosso modo 80 cm de lait de corps, là je devrais y être, voilà. Alors pour bien vous montrer la polyvalence de ce système épissure, donc qui sert
les points importants, c'est quand même d'antiomélia, parce que comme vous voyez, c'est relativement rigide. L'amant plomb est importante parce qu'elle va permettre à l'ensemble de se plaquer sur le fond et donc d'accentuer la discrétion. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien utiliser, vous voyez, les porte-plomb, donc les clips plomb, ainsi que les connecteurs. Donc voilà un connecteur. Donc pour ce montage, c'est tout simple, beaucoup de carpistes l'utilisent. Là, j'enfile mon connecteur sur une aiguille à bouillette. Je viens y amener, hop, un petit peu en force, le clip plomb. Voilà. Je viens récupérer le morceau de leadcore et hop, voici le clip plomb et voici le connecteur. Donc voilà, donc un montage tout à fait classique, hein, réalisé sur une blessure par exemple. Mais dans le cas d'aujourd'hui, c'est pas ce montage qui nous intéresse, c'est donc effectivement le montage anti-vase. Donc pour faire ce montage anti-envasement, c'est sur cet agrafe, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on va fixer notre plomb. Ensuite, pour notre montage anti-envasement, je vais utiliser des perles caoutchouc. Donc des perles caoutchouc, hein, tout à fait classiques. Hop là. Donc une perle de caoutchouc est effectivement pourvue d'un trou, hein, comme on a l'habitude d'utiliser. Moi, c'est pas comme ça que je vais les utiliser. Elles vont me servir un petit peu de stop. Donc à l'aide de mon pic, je viens la percer. Hop là. Et ensuite, je viens passer mon aiguille à bouillette à travers. Et c'est maintenant que je viens la passer sur notre morceau de leadcore. Donc voilà pour une aiguille. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher un émerillon à anneau. Et donc en fait le principe de notre montage anti-envasement, c'est le suivant. C'est qu'on va pouvoir, à l'aide de nos deux perles caoutchouc, définir une profondeur d'enfouissement. Donc par exemple celle-ci. C'est-à-dire que lors du lancer, mon plomb va s'enfoncer dans la vase. Par contre, le bas de ligne qui lui arrive par la suite, fixé par cet émerillon, va venir se déposer délicatement sur la vase. Voilà. Alors pour finir ce type de montage, on peut terminer tout simplement par une épissure en boucle, hein, qui va se raccorder très facilement sur le corps de ligne. Donc mon montage anti-envasement étant terminé, je vais y fixer le bas de ligne qui doit aller sur cet émerillon. Alors je vais faire un bas de ligne relativement long, hein, encore une fois, même si j'ai un montage anti-envasement, ça permettra que je sois sûr que mes appâts pêchent à 100%. Donc pour réaliser mon bas de ligne, tout simple, hein, je vais utiliser un petit stop float, hein, c'est une chose que je mets systématiquement sur mes cheveux. Vous allez voir par la suite pourquoi. Hop, le stop float est en place. Ensuite, je vais réaliser une petite boucle. Voici ma petite boucle. Donc j'ai choisi une bouillette blanche parce que le fond est très très foncé. Donc ça va permettre à cette bouillette de se détacher du fond. Et puis aussi, on a remarqué qu'elle affectionnait tout particulièrement l'amorçage aux pellets. Donc on a amorcé aux pellets à l'aide du bête-roquette. Et donc là ça tombe bien, une bouillette blanche au poisson avec des grains de pellets à l'intérieur. Je vais couper ma bouillette en deux de manière à l'alléger. Donc je prends donc fatalement deux demi-bouillettes. Au milieu de cette demi-bouillette, je vais venir y intercaler un disque de liège. Un disque de liège, ça va nous donner une bouillette équilibrée. Deux disques de liège, une bouillette flottante. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir positionner mon stop float. Donc le stop float, je vais venir le mettre contre la bouillette parce que si je n'avais pas de stop float, qu'est-ce qui se passerait à terme? Il pourrait se passer ça dans l'eau. Donc séparation des trois différentes parties de l'appât. Donc pour éviter les emmêlages pour le lancer, une petite astuce, évitez de joindre les deux perles comme elles sont là, mais par contre, écartez-les de 2-3 cm, ce qui va vous donner l'effet un petit peu hélicoptère, quoi. Vous voyez.
c'est un poisson qui pourrait être gros. Ça, ah ouais, ouais. La morphologie. Ah ouais, ouais, les mecs comme tout. La longueur d'un poisson de 15 kg. Ouais. Les plus élevés, il est comme le mien. Oui. Ça fait à peine 9. Ouais. S'il y a le poids du. Il manque de nourriture. Ouais, c'est vraiment. Les pêcheurs, il va falloir qu'ils chargent un peu plus. Hein. Faut amorcer un peu plus là. Ouais. Ah, dis donc, ils ont des poids. Ouais, ça se mêle que toi. Parce que sinon, je m'approche un peu de toi. Soigner cette vilaine bouche. Hein. Voilà. C'est pas mal. Et voilà, bon, bah, comme il y a quelques petites brèmes sur le coup, on va faire une petite séance de bête roquette. On va leur donner un peu à manger parce que j'ai l'impression qu'elles consomment pas mal. On va graisser largement les pellets et puis on va leur donner une bonne dose de. Pour une séance musculation. Ça c'est la parfaite distance. Quand on pêche une centaine de mètres, ça fait du sport, mais c'est par contre très très efficace au niveau de l'amorçage. Je connais guère d'amorçage aussi efficace en été. Sur des carpes en action, en mouvement. Bonne dose d'huile dedans, ça va les rappeler à l'ordre. T'as vu la précision? Bon alors, en ce qui me concerne, quoi dire de plus sur la pêche en été? Après tout ce qui a été dit déjà. Bah, en ce qui me concerne déjà, c'est pas la saison que je préfère. Alors c'est pas, non pas qu'il n'y ait pas de carpe à prendre, mais je crains le soleil de plus en plus vu mon vieillage. Et il y a du monde partout, c'est pas la tranquillité, j'aime bien ma tranquillité de plus en plus. Bon, par contre, effectivement, il y a d'autres moments plus agréables, il y a souvent de jolies filles à regarder aux jumelles, il y a plein de choses comme ça. Mais pour ce qui est des carpes, il y a des carpes à prendre. Quand il fait très très chaud, c'est souvent dur, mais à cette saison, les carpes sont toujours en mouvement et il y a possibilité d'entrevoir ou d'apercevoir beaucoup de, enfin les poissons qui sont en mouvement. Bon alors pour ce qui est de la technique, rien de particulier en cette saison. Hein, les carpes sont mordeuses généralement et sont actives, donc facile de trouver les poissons, d'amorcer et de prendre des carpes avec des montages tout à fait classiques et traditionnels. Les montages qui fonctionnent en automne ou en hiver, sur vos plans d'eau ou sur les plans d'eau que vous pratiquez, fonctionneront parfaitement en été si vous avez trouvé les carpes. Hein. Alors bon, par contre, effectivement, la chaleur modifie bien souvent la pêche, surtout au niveau des horaires. Hein. Quand il fait très très chaud, les carpes peuvent être en surface, à l'ombre d'un bouleau ou de tout arbre de bordure, et pas forcément être mordeuses. Alors effectivement, le matin, la nuit et les soirées un peu fraîches sont à privilégier par rapport aux fortes chaleurs. Mais néanmoins, il est possible avec des plans d'eau bien oxygénés ou des rivières bien oxygénées, de prendre des carpes en pleine journée et ça nous est arrivé plus d'une fois. Bon, en rivière notamment, en pleine chaleur, il faut chercher les courants, pas forcément les profondeurs, mais alors les courants, il est possible de prendre des carpes dans 50 cm d'eau en plein torrent. Hein.
Et pour les plans d'eau bien oxygénés, alors les étangs vaseux, pas facile parce que la vase sous la chaleur dégage des gaz qui sont pas forcément qui font pas mordre les carpes. Mais trouver plutôt les fonds durs, sableux, et pêcher ces zones, privilégier ces zones pour tendre des lignes. Hein. Bon alors après pour ce qui est du domaine des appâts, je ne me complique pas trop la tête à cette époque. Autant j'attache une grande importance à mes appâts l'hiver que l'été, les poissons prennent tout type d'appâts. Je privilégie quand même les appâts à base de fish-meal, parce que ce sont des farines relativement grasses et qui travaillent beaucoup mieux en eau chaude qu'en eau froide. Et mettent les poissons en activité plus facilement que tout le reste. Contrairement à tout ce qui se dit, les farines de poissons, les pellets et tout ça travaillent beaucoup mieux l'été que l'hiver. Il ne faut absolument pas réserver ces appâts à la pêche hivernale. J'ai trop souvent entendu, ah ben non, le poisson c'est pour l'hiver, et l'été c'est les fruits qui marchent le mieux, la fraise et la banane. Ça c'est archi faux. Il est possible de prendre effectivement des poissons, des carpes l'hiver avec des fish-meal, mais c'est bien plus efficace en plein été. Bon, enfin, si c'est pas ma saison favorite, c'est quand même la saison idéale pour s'initier, pour apprendre, parce que bah, d'abord les journées sont beaucoup plus longues, les poissons sont donc plus faciles à observer, à trouver, et c'est beaucoup plus facile de trouver des postes à cette époque-ci en se mettant à l'eau, en regardant tout autour à ce qui se passe que l'hiver où il n'y a aucune activité ou peu d'activité, peu de poissons en mouvement et les journées sont beaucoup plus courtes. Petite linéaire. Pas très grosse mais ma foi bien jolie. Et ça fait plaisir, pas trop abîmée par rapport aux poissons qu'on a commencé à prendre l'habitude de voir ici. Jolie petite, en pleine santé. En pleine santé, peut-être pas tant que ça. Donc cette petite carpe bien jolie est recouverte de parasites. On va la lâcher rapidement. Allez, à plus. Une 20 kilos. Ah, faut que j'aille dans l'eau. Ah oui. Oh, elle est bonne, cette orchide. Putain, elle est chaude. La rouge. La première à gauche. T'as vu la lune qu'il y a? Elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle s'est levée, elle était toute rouge. Oh, fin Dieu, elle est donc. Bouge pas, je vais. Attends, je vais y aller où là? Tiens. Oh la vache, il a pas fait le soleil là. Ça te l'a arraché de là-haut, vieux. Il est pas loin les obstacles là. Hein. Tout belle. Là, il y a un monstre. Oh la bête. Et surtout qu'elle quitte pas ses golas, hein. Au niveau du pouvoir. Elle est plus grosse que les autres encore. C'est le même calibre. Tu arrives, Yann? Tu m'as coup de main. Je m'en fais de toi vite. On brise les pailles, non? Système marin en plus. Monsieur Ma, tu remets ton poisson? Regarde donc ça, cette petite mignonne. Allez, mignonne. Allez, va, ma douce. Bien, tout doucement, elle est gentille, impeccable. Ouais, on n'entend pas beaucoup de sauts, mais par contre, il y a du départ régulier, alors ils n'ont pas besoin de sauter. Le principal, c'est qu'elle consomme. Voilà.
J'ai enveloppé le panari. Ne rigole pas, je crois que c'est la plus belle que t'aies faite. C'est vrai? Ouais. Oh là là, un monstre. J'ose même pas regarder. Oh non. Oui, elle est belle. Oui, elle est belle. C'est certainement pas la plus belle que j'ai faite, mais c'est la plus belle que j'ai faite ici. Elle n'est pas docile, la coquine. Allez, tiens. Je vais la relâcher tout de suite, des fois que je la reprenne cette nuit. C'est fini. C'est pas la peine de nager, t'es en face de moi. Elle a fait la musique, elle, hein. J'ai gardé les deux plus jolies de la pêche de cette nuit, alors surtout celle qui est encore au sac, qui est la plus petite. A enfin pu passer la barre des 10 kilos. Et celle-là, elle est belle parce qu'elle est toute allongée. Elle a mordu vers 3h du matin. Voilà, c'est bien montré un peu. Voilà. Bien allongé, c'est des poissons qui pourraient être beaucoup plus gros s'ils avaient un peu plus à manger. Ah, allez, on va mettre pas plus. C'est la plus grosse carpe que j'ai prise sur la session, à mordu cette nuit. Je prends en même temps que celle que j'ai remis à l'eau juste avant. C'est un poisson qui fait 12 kilos. Donc sur le lac, ça commence à être assez gros puisque le lac souffre un petit peu d'un manque de gros poissons. Une grosse population de plus petites. On a fait un parcours impressionnant là-haut parce qu'elle est allée passer entre leurs paires une souche, elle a rejoint une autre souche. Et ma foi, elle finit par revenir quand même. Voilà. Ce qui est bien sur le déroulement de la partie de pêche, c'est que on n'a perdu aucun poisson dans les souches. Au pire, on a eu des décrochages. C'est ce qui est bien, c'est que sur ces poissons qui ont la bouche fragile, qui sont déjà beaucoup pêchés, qui ont les lèvres très marquées par les différents hameçons qu'elles ont pris, on va vraiment essayer d'adapter un montage qui libère le plomb pour éviter que si la carpe casse, le plomb puisse se libérer. Pas utiliser des fils trop gros, des tresses trop résistantes pour que ces poissons aient une chance de s'en sortir avec encore un morceau de bouche. Voilà, allez, c'est reparti. La séquence CD s'achève donc sur le plan d'eau de la Méouse, donc ce matin, dimanche 1er août. On a eu notre lot de carpes, on a fait vraiment de nombreuses prises. Pour ma part, j'en ai dû en capturer une quarantaine de poissons. Philippe a dû faire aussi de nombreux poissons. On s'est vraiment régalé. Avec surtout en bonne surprise le passage enfin de la barre des 10 kg, qui apparemment sur le lac n'est pas aisé, avec un poisson de 12 kg. Donc ça s'explique un peu par un phénomène qui fait beaucoup de mal en ce moment, aussi bien dans le domaine privé que dans le domaine public, c'est le piratage des carpes. C'est-à-dire que des pêcheurs viennent sur un lac et le pillent littéralement. C'est-à-dire qu'ils sortent les beaux poissons, les revendent, les échangent contre du matériel ou de l'argent à des plans d'eau du domaine privé où on paye pour venir pêcher. C'est vraiment le gros problème en ce moment qui fait beaucoup de mal dans le milieu de la pêche. Et pour l'instant, aucune réglementation spécifique interdisant le transport des gros poissons permet de pouvoir verbaliser ces gens-là. Donc on est dans l'attente d'une loi qui interdirait le transport de toute carpe dépassant les 60 cm de long. Et puis je vous laisse donc sur ce site qui est vraiment magnifique, où les poissons sont encore en activité. On a relevé les lignes parce qu'on n'en peut plus.
et je vous laisse apprécier la beauté du paysage et le calme qui règne sur ces lieux vraiment magnifiques. Thank you.